Commence. Stumble, capsule, récap, tournoi, 2v2, action. 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 Moi c'est D-Boy, 17 ans. Moi c'est Young Wolf, je vais s'en mettre 17. Et on représente la team 9-4 d'Ivry. Je m'appelle Fianso, j'ai 17 ans. Je m'appelle Nolan, j'ai 17 ans. Et on représente la team 92. Moi c'est Wesley, j'ai 19 ans. Salut, moi c'est Ilyes, j'ai 18 ans. Et on représente la team 9-4 Vitry-sur-Seine. Zé, 21 ans. SE, 20 ans. Et on représente la team 7-8. Bah moi c'est Ryan, j'ai 20 ans. Moi c'est Alexis, 20 ans aussi. Et on représente la team 94 Vitry-sur-Seine. Alors moi c'est Célia et j'ai 15 ans. Et moi j'ai assez tout, j'ai 16 ans. Et on représente la team 9-4 Vitry-sur-Seine. Moi mon style de jeu Stoneball, je suis plutôt polyvalent, comme j'aime bien défendre et aussi attaquer. Moi vraiment, je suis juste offensif, j'aime pas du tout défendre et mais bon on fait comme on peut. Moi au Stoneball, je suis un peu puissant et très défensif. Et précis aussi, puisque grâce au round, j'ai un avantage au Stoneball. Moi personnellement, moi j'ai un style offensif. Je suis plus dans la simplicité, l'efficacité. Je cherche à mettre de la puissance aussi et à créer de nouveaux trucs. En attaque puissant, rapide, efficace, pas besoin de faire beaucoup de cross. Contrairement à mon camarade ici présent, lui c'est fou. La sauce. Moi en défense, voilà, tout fait. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai un style plutôt offensif. Ouais. Je marque beaucoup de panier. Voilà. Bon cross vraiment. Ah, tu fais des... Moi, je suis plutôt défense. Hein. Et concernant l'attaque, hein, je joue simple. Et moi, on va dire la vitesse, le cross un peu et le jump, surtout sur la finition. Moi, mon style de jeu au Stoneball, je pense que je suis plutôt défensive. Moi, mon style de jeu, c'est plus l'attaque, je dirais. Bah, moi, je dribble bien, je trouve que j'ai un bon dribble. Pareil sur le jeté du ballon. Pour une première fois, je me suis pas mal débrouillé. Et après, sur ce que j'ai eu du mal, franchement, le point de travail, c'est la défense. J'ai pas encore capté comment on défend. Moi, j'ai l'habitude de défendre dur sur l'homme, avec le torse. Et là, c'est pas pareil. C'est un nouveau système, c'est tout nouveau pour moi. Mon point fort, c'était comme le shoot. J'arrivais à mettre des paniers. J'arrive plus à mettre des paniers que à dribbler. Sauf que mon point faible, c'était la défense. La défense et le dribble. Je suis un mec qui je défends bien. Je défends fort. Je mets de l'intensité. J'ai un jeu, il est assez polyvalent. Je me donne sur tout, en défense, en attaque. J'essaie de faire le taf. Ce que je veux, franchement, c'est gagner. Donc moi, je suis arrivé, je me suis dit, je vais tout détruire. J'ai vu plein de petits, ils n'ont pas mon âge, ils n'ont pas mon physique. Je me suis dit, je vais gagner tranquille. On savait que ça allait être dur. On voulait gagner, mais on savait qu'on allait gagner, mais avec difficulté. Enfin, qu'on allait se qualifier avec difficulté. Les joueurs, on savait que c'était bon. Do you dare play Stoneball? Franchement, pour notre qualification pour vendredi, serein. On était serein. Mais honnêtement, pour la qualification du vendredi, honnêtement, on était serein le jour d'avant. Mais le jour J, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Hein. Le jour des qualifs, déjà, il y avait du gros level. Il y avait seulement 4 équipes qui passaient. Très lucide, très efficace. Je pense que nous, on est venus. Au tout départ, on voulait jouer. Nous, on paniquait un peu. On a dit on n'est pas venu pour rien, on veut s'entraîner, ça fait longtemps qu'on n'a pas stressé. Parce que c'est quand même des bons gabarits, les autres. Avec Alexis, on a bien géré défensivement comme offensivement, même si on pouvait peaufiner certains détails justement. Le premier jour, on ne s'est pas qualifié. Donc là, on a eu un peu les boules parce qu'un point, donc
puis on s'est dit, vas-y, mercredi, on revient fort, la deuxième qualification. On n'arrive pas en retard, on arrive à l'heure et on se qualifie. Bah, c'est ce qui s'est passé, on s'est qualifié. On a bien joué, on a joué contre des équipes fortes, mais on a quand même gagné. C'était... Tout s'est passé comme prévu. Trust the process, man. Les systèmes qu'on a pu appliquer sur le tas, en fait, bah, c'est ça qui nous a fait maintenir pendant tous les matchs. Et qui nous a fait emporter la plupart des matchs, qui nous a permis de nous qualifier. Bah, surtout comme j'ai dit, hein, la défense c'était compliqué. Hein. Ouais. Enfin, on n'était pas trop dans le match dès le début. Bon, après il y a des matchs où on a marqué beaucoup de points. C'est comme ça qu'on s'est qualifié, je pense. Avec des gros écarts de points, mais parce que ça joue au point aussi. Je ne m'attendais pas ici en fait, alors... Déjà quand on me disait « Oh oui, vous avez gagné ce match », j'étais en mode « Quoi ?» Et comme on était venu pour jouer, ben, on s'est qualifié. Hein. On s'est qualifié. Et au final... Ça a été dur, ça n'a rien à voir avec le basket. Donc ouais, j'ai galéré et puis voilà, on a perdu, c'est pas grave, on reviendra plus fort. Vous allez voir, il n'y a pas que 9-5, 7-8, 9-4, ouais. Ça vient du 9-4. Parce que c'était la première fois, hein. Vous avez l'expérience, on n'a pas tout ça. Mais quand on va bien s'entraîner, ça va pas être la même chose. C'est promis ça. C'était lourd, il y avait vraiment des actions graves lourdes, ça tirait de loin, ça tirait du côté, sur le côté, ça tirait partout, c'était grave ça, lourd. Ça, il y avait du cross. Ça. Non, c'était vraiment lourd. Franchement, après les actions en équipe sur les pick and roll, sur les Holy Ring, Holy Ring. Deux joueurs pour aller au foot à 3. Après, il faisait un pressing qui permettait de faire l'interception. Attaque, on s'entendait bien, tu faisais des écrans, je savais où t'étais à chaque fois, etc. Ouais. Franchement, c'est bien entendu. La team du 9-2, en défense, c'était un truc de ouf. Sévère. C'était un truc de ouf. Ils étaient méchants. Ils étaient cruels. Ils étaient vraiment cruels. Ah, ils voulaient rien laisser passer. Ils voulaient pas laisser passer. Ah, c'était solide. Tu as un mur, la même. Tu as ça là. T'es mal mouillé. Voilà. Ça sonne quand sourd. Tu passes, c'est sourd. T'as mal. C'est sourd. L'arrivée là nous avait une dalle de ouf et ils nous l'ont montré contre en demi-finale, hein, ils nous ont mis un sale score. Et puis sur notre deuxième match, je crois, l'équipe adverse a dit, je me souviens plus exactement des mots, mais a dit quelque chose que j'ai trouvé ça super encourageant. Il a dit, c'est pas parce que c'est des filles qu'on doit jouer doucement et du coup ça m'a fait plaisir, ça m'a donné envie de me donner à fond. Du coup, vendredi quand on s'est fait sortir, quart de finale, ouais, c'est enfin, la team 9-5. Ouais, en vrai, je pense qu'on n'était pas, assez dans le match pour ça aller plus loin. Franchement, on n'était pas dans le match, du coup, on est sorti très rapidement. Au quart, hein, comme tu as dit, au quart. 9-8, c'est ça ? On avait perdu 9-8 et en fait, au tout début, on n'était pas dans le match. Et comme le chrono, il va vite, ça va très vite. Et le temps de jeu, il est super rapide. Au début, ils nous ont mis un gros écart, un gros écart. Et après, on a rattrapé. On s'est dit, vas-y, wake up, on se réveille. Mais c'était trop tard. On a déjoué, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une malentente. On n'a pas mal joué, mais il manquait ce petit truc qu'il y avait d'habitude. Du coup, on n'avait pas la haine. On ne défendait pas comme on faisait d'habitude, etc. Mais franchement, c'était serré, ça s'est joué à pas grand chose. Donc, franchement. La prochaine fois. Moi j'étais dégoûté qu'on n'ait pas pu se qualifier pour les demi-finales. Malgré qu'on ait eu une très bonne défense, qu'on était bon offensivement,
malgré qu'on, même si on pouvait peaufiner certains détails, rien n'est parfait. Je trouve qu'on avait, notre place justement pour les demi-finales. Franchement, vu qu'on est vraiment venu juste pour jouer, même avant que ce soit fini, nous on était déjà de notre côté, soit en train de jouer encore à côté pour gagner du temps et tout, on s'attendait vraiment pas à gagner. Après, mentalement, le côté compétitif, ça fait un peu mal pour son propre ego, mais... Pu le faire, quoi. Moi, on aurait... Franchement, on aurait pu le faire. Bah oui. On aurait pu le faire. Mais comme a dit Zé, c'était à la date. C'est vrai, hein. La team 7-8, au début, c'était serré de ouf. Mais c'est grâce à l'intensité qu'on a mis, on avait plus la dalle qu'eux. Et du coup, ça nous a permis de gagner. Mais on voulait les deux, place. Ça nous a permis d'aller en finale. En vrai, la finale... bah... Parce que là, ouais, en vrai. J'ai le seum qui sort de mes yeux. Non, en vrai, vas-y, toi, en fait, c'est toi, faut que non, c'est commencé, carrément. Non, commence, mais je commence, je commence. Non, par contre, ça, mais pas, hein. Parce que là, je regardais là-bas, j'ai trop le seum. Franchement, moi, personnellement, ce que j'ai pensé de la finale, juste avant quand on s'est fait sortir, je voulais rentrer chez moi, je sais pas pour toi. Moi, je voulais rentrer chez moi, je me suis dit, vas-y, laisse tomber le Stoneball, c'est plus pour moi. Je jette l'éponge, mais. Comme j'ai vu qu'il y avait du gros level, ça allait péter, il y aurait de la confrontation. On est resté sur le banc, c'était intense. Mais en vrai, la finale, c'était serré. Hein. Après, vu que nous, on avait un œil extérieur à ce qui s'est passé, je pense que la team 94 Ivry, ils auraient pu largement les battre, l'équipe du 9-5. C'est juste que franchement, des fois, je pense qu'ils devraient être plus posés et pas rentrer directement dans le duel. Et je pense que grâce à ça, s'ils rentrent de moins en moins dans le duel mentalement, je pense que ça va rouler comme sur les roulettes. Hein. Il a tout résumé, rien à ajouter. Là, c'était seulement une fois 5 minutes. Ouais. Et du coup, en fait, on devait être encore plus efficace. C'est-à-dire, on n'avait pas droit à l'erreur. En fait. Si on veut gagner, dès que tu as l'occasion, faut le mettre. Sinon, voilà, c'est pas si tu auras une autre action. On les avait déjà affrontés pendant les phases finales. On les a rejoués après, du coup, en finale. Bah, le match il était plus serré que le premier match. Parce que là, on avait la dalle. Mais c'est sur des erreurs, sur des reins grattés. Vraiment, franchement, on a eu un manque de finition. Je sais pas si c'était la fatigue ou la pression. Ils ont joué leur finale, ils ont gagné. Dans le coup, ils ont après le score, c'est vrai que. Ouais, le score, tu le sais, bon. 4-3, on a perdu d'un seul point. On a perdu d'une interception. On a perdu d'un seul point. 4-3 en mode. C'est vraiment que le match il était serré, c'est qu'eux ils n'arrivaient pas à marquer, nous on n'arrivait pas à marquer. Ouais, c'était qu'après, vas-y. Après, ils ont gagné. Voilà. Félicitations à eux. Ok, on vient de Brelais dans le 95. Ouais, c'est quoi vos blazes? Lilian Magdalene. Moi, Lilian Magdalene. Au niveau des finales, donnez-moi vos ressentis par rapport. Il y a eu un tremplin. Ouais. Je m'en ai passé d'amusement à physique. Ouais. Mais en même temps, c'est ça qui montre, tu vois, le jeu, vraiment le jeu. Parce que là, on a vu ce que c'était Stoneball. C'est même plus physique, je trouve, que le basket, tu vois. Parce qu'il faut bien stopper les joueurs au bon endroit. Le terrain, il est vraiment limité. Donc, c'est pas la même chose. C'était beaucoup plus intensif que ma faute. Plus intensif. Ouais, j'étais pas prêt à ça. Merci au Stoneball. Les deux, je les voyais très bien parce que le niveau sur cette compétition était vraiment élevé. Mais si j'aurais dû faire un choix, sachant en me basant sur les anciennes compétitions, les niveaux et tout, les deux, je les voyais très bien au final. Nous, on est tombé contre l'équipe du 9-5 et on avait déjà regardé un peu la manière. Deux jeux, tout ça, comme ils avaient gagné le premier tournoi. Il y a eu une première mi-temps où ça s'est fini à égalité. Du coup, c'était vraiment un match super serré du début à la fin. Plus, c'était sur deux périodes, contrairement aux autres matchs. Du coup, ça fait on était mené sur la première période, ça fait on a réussi à revenir. On devait trouver une solution pour pouvoir mettre des points. Pas chose facile. Jusqu'à l'interception de Zé qui met mal l'équipe du 95 et qui fait vraiment la différence du coup dans le jeu. Après il a su gérer le temps qui restait, il a bien joué. L'efficacité de Zé, ça veut dire interception plus 1, plus les 2 points, 3 points. Voilà, après la défense solide à la fin. Allez,
ça a donné la victoire à la team du 78. Mais sinon, c'était du lourd. Bah, maintenant qu'on a gagné un titre de tournoi Istanbul V2, bah, le but c'est de revenir en tant que représentant du 7-8 et d'en ramener encore d'autres, hein, la même dalle, la même envie. Et... voilà. Moi, si je dois retenir une seule action, c'est quand les filles elles ont marqué l'équipe des filles. Bah, le 3 points des filles, quand même, c'est énorme. C'est snipeuse, hein. Buzzer, 3 points. Switch. T'as vu le poignet à la fin? La cloche. Question cross. Hey, my boy. My boy, hey. Lui là, il a brisé des chevilles. Même si tu vas faire le mec rien, mais wesh, il a cassé des chevilles. C'est quand même Narek, il a fait le cross là, comme ça. Très pas avec sa jambe. Le cross de Narek. Non, je me rappelle pas, mais moi c'est aussi Narek. Franchement, la meilleure action du tournoi là. J'ai vu Narek quand il a sauté le moulin avant là. Attends. Quoi? Il y avait le moulin avant aussi. Ouais! Ouais, il a fait un gros tournoi Narek. Ah, il était chaud dans les highlights. Franchement, le stun il est accessible à tout le monde. Si t'as envie, tu fais. Franchement, il n'y a pas besoin de. Même si tu débutes. Hein. Sinon, que ce soit pour les plus jeunes, pour les plus âgés, c'est pour les handicapés aussi, tout le monde peut en faire. Si c'est pas parce que t'es fort en attaque que tu vas quand même réussir. Par exemple, si t'es bon en défense mais t'es nul en attaque, tu peux quand même avoir des points. Et c'est ça l'avantage. Et on peut jouer avec les garçons, quelle que soit la situation, c'est que ce soit en compétition ou simplement en entraînement. C'est énervé, genre c'est une autre façon de jouer, grosse variante du basket. En plus c'est pas compliqué, c'est facile de progresser. Accessible à tous. On n'est pas d'une grande taille, tout le monde peut jouer à ce sport. Et moi je trouve ça super intéressant. Parce que franchement je me souviens au début, je venais, il n'y avait que des garçons, j'ai découvert ça sur un camp de basket, que des garçons, il n'y avait que 3 filles. Les filles, venez, c'est accessible à tout le monde. Il y a des fois, il y a des tournois que pour les filles, tout ça, franchement, c'est archi lourd. Mais là, franchement, sur, par exemple, sur le dernier tournoi, il y a une team 94 avec que des filles, elles ont vraiment fait du lourd, tout ça. Avant, il n'y avait pas de terrain au Istanbul, maintenant tu viens sur le premier terrain au Istanbul à Vitry-sur-Seine. Franchement, il a de la gueule, il est magnifique. Istanbul, tu viens, franchement c'est lourd, les récompenses à gagner, t'as envie de jouer à fond, c'est lourd, il y a de la graille, il y a de la musique, DJ, tout, il y a de l'ambiance. Alors moi j'ai été dans d'autres tournois, même un verre d'eau ils te le donnent pas, ici franchement t'es mis bien, t'es à l'aise, t'es chez toi, famille. Là t'as l'impression que c'est la famille, t'accueilles comme s'ils te connaissaient depuis 1000 ans, franchement y'a rien à dire. En vrai, c'est les Istanbul, ils donnent une chance de ouf. Ouais. On a le suivi de nos stats. C'est ça. On a des titres, des récompenses. Alors qu'on n'est même pas pro, tu vois. Le suivi des stats, c'est quoi? On file. On a tout, en fait, on a vraiment des possibilités de ouf avec Istanbul. Vraiment, moi, ça m'a choqué. Parce que franchement, le sport, il est intéressant, c'est nouveau. Tu sens que ça peut marcher, que ça joue. Il y a vraiment des gens qui sont déter. Et continuera de s'agrandir pour moi. L'ambiance elle est géniale, il y a tout qui est bien, ça ne pousse que vers le haut. Il y a vraiment que du positif là-dedans, ça améliore tout, même rien que pour la confiance entre soi-même et les autres, c'est vraiment que du bon et j'encourage vraiment à la continuité de ce sport. T'as un mot de la fin toi? Non, t'as un moto. Bah non, t'es bizarre, t'as un petit mot tranquille. J'étais un flow quoi, t'as pas rapide. Hey, préparez-vous, soyez prêts pour la saison. Le mot de la fin? Ouais. Non, moi juste un truc à dire. J'arrête le basket, je vais au Istanbul et j'arrive.
C'est tout. On est tout retourné sur les tournois. Étoile. Bah, t'as tout dit, hein. T'as tout dit. Un mot de la fin. Ah, on va dire plus qu'un mot. Cette année, elle est pour nous. Elle est à nous, les mecs. Préparez-vous. Check ça. C'est carré. Ne soyez pas bloqués parce que c'est un nouveau sport, justement. Venez essayer, amusez-vous. Et franchement, que du lourd. Ça arrive lourd et franchement, show you game play stun ball. Le mot de la fin. Bien, je me retiens, on revient. En force, on revient en force, restez à l'affût. Mais bon, pour ça là. Bien, va, j'ai tout. Couper de toute façon. Non, ça c'est pour le bêtisier à la fin. Quel bêtisier ? Il y a un bêtisier à la fin. À chaque vidéo d'interview, il y a un bêtisier. Zut. Est-ce qu'il est sérieux ou pas, Oshi ? Non, je suis très sérieux. Tu sais, quand t'entends le. Regardez, on le fait ensemble. Stumble, capsule, récap, tournoi, 2v2, action. C'est bon ? 5, 6, 7, 8. Stumble, capsule, récap, tournoi, 2, 1. Stumble, capsule. Oh. Il y a trop de mots, il y a trop. Stunball, récap, tournoi. Stunball, capsule, récap, tournoi. Stunball, récap, tournoi. Ah, c'est capsule. Stunball, capsule, récap. Stunball, récap. Allez-y. Ok, attends. Stunball. Récap tournoi. Stunball, capsule, tournoi, récap, tournoi, de V2. Oh, c'est dur. V2. C'est bon. C'est bon. Puma. Franchement, Stunball, c'est vraiment accessif à tout. Ouh, accessif. Vas-y, vas-y, enchaîne. Vas-y. Bah, le mot de la fin. Continue à représenter ma fille. Oh là là. Ok, on reprend, vous inquiétez pas. Vas-y, go. Alors, tu reprends toujours la question. C'est que du bonus, Brunet. C'est la meilleure, elle me dérange. Vas-y. 5, 6, 7, 8. On est plus restreint. Quand vous êtes sorti du. Bon, on va la faire en deux temps. Je savais pas qu'une mouche pouvait te. C'est vrai, c'est une vraie gros. Mais ça pique fort. Hein. Bouge pas la chaise. S'il y avait une action que vous deviez retenir du tournoi, ce serait laquelle? Excusez-moi. Non, il n'y a pas de part. Attends, juste un poste que j'ai pas. Voilà, ça commence. Bonjour. Présentons quelques mots. Alors, je m'appelle Lola. J'ai eu 11 ans. Et. On va écrire le symbole, histoire que ça va se développer et qu'on pourra aller partout dans le monde et qu'on va bien s'amuser et que les autres enfants dans le monde ils vont connaître bien le symbole. Mais en tout cas, je suis très fière de mon papa parce qu'il a créé le symbole. Show game, play symbole, baby. Show you again, Black Star!